Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Alors après cette petite absence d'une semaine où en fait euh, j'étais débordé de travail tout simplement, hein, et puis j'ai profité de prendre quelques jours. Pour ceux qui me suivent sur Instagram euh, se sont rendu compte, quelques jours où je suis allé, euh, où je suis retourné en, en Cévennes. Euh, sur mes origines pour pouvoir euh, passer quelques jours euh, avec ma fille tout simplement et euh, par la même occasion euh, continuer à faire l'essai de quelques outils euh, items euh, dont j'avais fait l'acquisition avant de partir alors euh, petite présentation assez succincte de ces quelques objets que j'ai essayés on va commencer tout d'abord par ce joli petit stylo du site Amazon, euh, que je trouve vraiment tr superbe. Euh, alors, c'est un stylo euh, tactique euh, avec une structure, donc tout, tout en acier, euh, une patine laiton qui lui va superbement bien avec un bon petit clip ceinture ici, un clip assez profond finalement. Hein. On a ici une petite pointe textaine pour pouvoir briser les vitres si jamais on en a besoin. Et puis le stylo, lui, fonctionne avec des cartouches classiques, style Parker, comme on trouve dans tous les stylos des plus classiques Parker, style euh, mine rétractable. Ouais, très joli petit objet euh, dont j'ai utilisé pour le travail euh, tout au long de cette semaine et puis euh, lors de mes sorties pour prendre des notes euh, sur mon petit calepin enfin euh, de pouvoir mémoriser euh, des idées euh, pour vous euh, communiquer toutes ces informations et un retour d'expérience de ce joli petit stylo que je trouve ma foi moi très agréable. Euh, ça change un petit peu des gros stylos tactiques que j'avais auparavant, euh, si vous me suivez sur mes vidéos, vous savez le genre de stylo que c'est, ou des Fisher Pen. Celui-là, je le trouve assez intéressant, et pour un prix tout à fait abordable, qui est bien en dessous euh, des, euh, si je ne me trompe, euh, je crois que c'était moins de 10 euros. Moins de 10 euros si je ne me trompe. Je vous mettrai la confirmation euh, certainement en bas de la vidéo ici, là, en, 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 sur, euh, sur écriture. On va poursuivre avec euh, cet item, donc cette euh, petite lampe bien sympathique, alors qui est de la marque euh, Wutak. Vous savez que j'avais déjà essayé la marque Wutak avec la W1 qui est ici là hein, cette pile rechargeable. Euh, alors on est sur le même principe avec celle-ci euh, sauf que celle-ci en fait va se porter elle est fournie avec dans son kit avec donc euh, un système de bandeau voilà où elle se glisse à l'intérieur comme ceci là et vous pouvez la porter euh, donc directement euh, sur le front pour pouvoir l'utiliser en frontal. Alors, euh, on est sur une lampe euh, avec une puissance qui tourne aux alentours des euh, 480-500 euh, lumens. Euh, elle a euh, trois modes, des plus simples avec un gros bouton poussoir ici, hein, et donc on atteint directement les modes en fait. Et lorsque vous restez appuyé dessus, ça change le mode, vous voyez, ça monte très haut, ça redescend, ainsi de suite. Hein, voilà. Donc, euh, un item bien sympathique, euh, tout un alu, avec euh, un système d'accu euh, rechargeable. Alors là, par contre, sur ce genre de produit, vous voyez, donc, l'acu, la recharge se fait directement sur l'accu. Voilà, donc, il faut, euh, elle s'est fournie avec un petit câble, et puis vous pouvez le recharger. Donc, on est sur du 3400 ampères. Donc je reviendrai vers vous avec cette avec une vidéo spéciale pour, pour lui, une fois que j'aurai tout fait avec les, les caractéristiques techniques et tout ça, hein, tout, pour ceux qui sont friands de ce genre d'informations. Euh, voilà là pour l'instant c'est juste un essai euh, où je suis en train de faire donc je reviendrai vers vous vous inquiétez pas pour une vidéo spéciale euh, sur cette lampe là euh, le seul déjà point négatif que je peux lui relever c'est qu'elle n'est pas fournie dans son kit euh, avec euh, une petite pince enfin, ici là une pince bah, qu'on pourrait, pourrait la clipser pour pouvoir la sortir du bandeau et la mettre sur le sac à dos les choses comme ça elle n'est pas fournie avec euh, je suis un petit peu déçu euh, parce que je pensais, euh, je n'ai pas fait attention lorsque je l'ai commandé, mais en fait, non, elle n'est pas fournie avec. Alors là, on est sur un produit qui fait dans les 35 euros, voilà, pour euh, cette lampe-là. Euh, donc, euh, je vous rappelle que c'est euh, Wuta qui est la marque de True Night, euh, qui est une sous-marque de True Night, en fait, hein, qui font les mêmes produits. Les produits sont exactement, esthétiquement, sont exactement les mêmes. Il euh, euh, y a quand même une petite différence au niveau des caractéristiques techniques proprement dit, mais esthétiquement c'est exactement la même chose. Et à savoir donc que le même modèle euh, chez True Night lui fait 99 euros, mais il a euh, le principe de clip ici qui est mis dans le, dans le kit. Alors bon, à voir euh, pour les différentes utilisations qu'on peut avoir. Euh, mais bon, sinon, euh, bon retour pour l'instant, si ce n'est que ce problème de clip qui m'a un petit peu dessus. On va revenir donc ici euh, sur deux nouveaux euh, bar Barlots euh, qui euh, euh, agrandissent ma collection. Alors, ce sont des Barlots de la coutellerie Tourangel. On est sur des produits aux alentours des 25 euros pièce. Alors, celui-là est fait euh, avec. Euh, comment ça s'appelle voilà. Manche qui est en bois de serre et celui-là est un manche euh, en os rayé. Voilà, alors par contre, à savoir, ce sont des produits Madin Pakistan. Mais ce qui est intéressant, malgré que ce sont des produits Pakistan, c'est euh, la qualité de fabrication que je trouve moi assez surprenante pour ce genre de produit avec une très belle finition pour un tarot qui est tout à fait abordable puisqu'on est sur un tarif, comme je vous dis, aux alentours des 25 euros pièce, plus les frais de livraison. Donc je les ai utilisés, hein, puisque vous savez que moi j'utilise tous les tous les tous les couteaux que j'achète, je les utilise au quotidien. Donc euh, je les ai utilisés les deux et écoutez j'ai un bon retour. Alors par contre en sortie de boîte, euh, même pour moi, euh, il a fallu que je reprenne quand même un peu le fil hein, parce qu'il était un peu limite. Euh, donc j'ai repris un peu le fil à, à la pierre des Pyrénées tout simplement, quelques passages d'un côté et de l'autre et après ça a repris un fil de coupe assez intéressant. Pour ma part, ça suffit largement. Mais c'est vrai qu'en sortie de boîte, il est quand même conseillé euh, de redonner un petit coup de fil. Alors la marque, c'est la marque euh, Old, Old Forge, qui veut dire en fait vieille forge. Donc ils ont plusieurs modèles. Ils ont même des deux modèles damas. Alors j'étais pas trop attiré moi par le damas, mais du coup, euh, voilà. Euh pour le reste, pour ces deux modèles-là, ils m'ont bien plus esthétiquement. Donc je les ai pris pour avoir un ordre d'idée, savoir ce que ça pouvait donner. Et alors c'est livré dans des petites boîtes comme ça. Voilà, des petites boîtes tout simples. Vous voyez, marqué Allforge. Avec des petites inscriptions. Euh, on va retrouver ici le site de Allforge Knife. Voilà. C'est écrit en anglais. Mais donc, c'est fabriqué au Pakistan et c'est vendu par la coutellerie Tourangel pour un tarot qui se situe aux alentours des 25 euros pièce, comme je vous disais. Voilà donc euh, ces petits ustensiles que je suis, enfin, ces petits items que je suis en train d'essayer euh, là au quotidien. Hein. Alors, euh, je vous ferai aussi une vidéo euh, sur ma mise à niveau de mon EDC euh, du quotidien euh, pour l'été 2021. Euh, avec euh, le retour des sacs messenger, hein, puisque là je vous avais montré quelques sacs à dos, j'en ai aussi je, des sacs que je peux vous montrer que j'ai fait l'acquisition, mais aussi donc un sac messenger. Mais bon, on verra ça sur une autre vidéo. Où je vous ferai, donc j'ai un petit peu épuré hein, mon EDC. Alors, euh, à savoir que euh, maintenant, euh, je n'utilise plus de lame systématique, enfin. Même jusqu'à trois lames systématiquement sur moi hein, en port quotidien. J'avais généralement un couteau que j'ai destiné à la table, un couteau que j'ai destiné à l'ouverture, fermeture des cartons, des choses comme ça, et puis un Victorinox. Alors là, euh, j'ai tout simplement euh, basculé sur un Victorinox tout simple qui est porté en port ceinture dans un étui Victorinox des plus classiques. Hein. Donc là, on est sur le Farmer X, mais on va retrouver le Pioneer, on va retrouver le Deuce enfin voilà, différents petits couteaux que je vais utiliser donc et en fait j'utilise la petite lame ou le poinçon hein, selon commencer pour pouvoir déloter les cartons maintenant les ouvrir et puis voilà et donc j'utilise ceci voilà qui est mis en port et euh, donc je garde un couteau que je vais utiliser pour la table donc généralement euh, ben voilà là, en ce moment j'ai un peu craqué comme vous savez constaté euh, sur les barlots et sur les couteaux un petit peu traditionnels euh, et américains. Euh, là, il y a celui-là aussi, je ne vous en ai pas parlé, je l'ai reçu. Alors là, euh, on euh, n'est pas du tout sur un Barlow, hein. on est sur un couteau euh, des plus classiques euh, de la marque Pradel, l l Exxior, donc euh, la marque française hein, de la coutellerie de tiers. Hein, voilà. Euh, excellence, excusez-moi, pas section. Excellence, Pradel Excellence. Euh, je vous avais déjà montré euh, dans cette gamme-là un couteau, euh, donc copie Vendetta, hein, puisque ce n'est pas un véritable couteau de Corse Vendetta, mais donc un copie Vendetta euh, de la marque Pradel euh, ex euh, Excellence. Voilà. Et donc là, j'ai voulu prendre ce petit Pradel, euh, voilà, en forme. Euh, par contre, la forme, je l'ai trouvée euh, super sympathique, très traditionnelle, comme ça, là. Hein, voilà avec une finition assez intéressante. Et en termes de dimension, voilà, on est sur quelque chose, vous voyez, par rapport à ma main, on doit être sur l'équivalent d'un Opinel numéro 6, hein, je pense, ou d'un numéro 7. Bougez pas, on va regarder ça tout de suite. Voilà, donc là, vous reconnaissez les Opinel numéro 6 couleur classique, hein, que... Voilà numéro 6 comme vous voyez ici donc vous voyez on est euh, kif kiff borico voilà on est à peu près sur la même dimension de ce genre de couteau là qui pour la pour la table moi me suffit largement voilà. Donc je reviendrai aussi sur celui-là, hein. on fera une petite vidéo dessus, retour d'expérience et puis tarif euh, et puis toutes les caractéristiques nécessaires si cela vous intéresse. Mais ça c'est un couteau que l'on va toucher euh, à moins de 10 balles, hein, largement hein, sur le site euh, Amazon ou même sur le site euh, de la Pradellerie de Tiers. Hein. Donc on va trouver à toucher ça pour pas très cher. Et euh, c'est un bon petit couteau que moi je trouve assez bien, euh, dans le même style que le petit couteau 20 que, que je vous avais moi lors d'une vidéo voilà un petit peu tout ceci qui est en test à l'heure actuelle euh, voilà euh, pour une utilisation au quotidien bon ça le victorinox euh, vous le savez je vous ai déjà fait une vidéo hein, dessus euh, sur le farmer x voilà donc euh, on en reparlera lors d'une prochaine vidéo où je rentrerai un petit peu en détail sur ces genres de produits avec toute leur case et six technique. Voilà, je vous remercie pour le visionnage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça se passe toujours en bas. Hein. Et puis, euh, on se dit à très bientôt. Au revoir.